Salut à tous, c'est Coach Nox, on se retrouve pour l'épisode, alors je sais plus du tout les gars, je crois que c'est 7 de Super Mario Maker 2. Et aujourd'hui on va voir les niveaux les plus populaires de du monde entier, c'est incroyable. Ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, ça fait moins de 2 semaines, désolé, c'était la rentrée déjà. Pas pu faire d'épisode à l'avance, mais aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode tant attendu. Donc on va tester. Alors ça c'est quoi? Fire and Dash and Jump. On va tester premier niveau d'un japonais. Et c'est un... Ah ben c'est un niveau 20 secondes, parfait. Ouais. Ça va bien me mettre dans le bain, comme on dit. Hein. Donc c'est parti. Ok. Donc c'est un niveau 20 secondes. J'ai eu très chaud. Ok. Ouf. Il y a beaucoup trop d'informations à l'écran. Non, pourquoi je saute? Pourquoi je saute? Ok. Au millimètre près, je touche le feu là. Ok, c'était assez facile, mais moi, c'était vraiment pas mal, je trouve. Moi, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ouais, je peux pas voir le record, je sais pas comment ils ont le record d'ailleurs. Alors, ok, on va faire Sensational Switch Sprint. C'est parti. Donc, ouais, le jeu, je pensais qu'au Nintendo Direct de septembre là. Eh bien, ils avaient annoncé le online avec les amis, et bien finalement, non. Ils n'ont rien du tout annoncé. C'est assez dommage. Hein. Comment je suis mort là? C'est vraiment dommage parce que, ils avaient promis, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils avaient promis. Ça fait juin quand même. J'adore. J'adore quand je saute pas assez haut. Et finalement, voilà, ils ont rien annoncé. What the fuck, j'étais bloqué. Ils ont rien annoncé, c'est assez dommage. Et j'espère qu'en septembre, ils vont quand même... Enfin, je sais pas, vu qu'ils annoncent pas, vous avez une théorie directe, c'est censé ramener les gens et tout. Sur le jeu. Ah, j'ai sauté, non. Je pensais pas qu'il y avait pas forcément en dessous. Ah, c'est censé ramener les gens, puis une théorie directe, c'est... quand même assez suivi, ça se trouve c'est même pas encore prêt, donc je sais pas vraiment je sais pas quoi en penser. Voilà. J'ai failli sauter au moment où il y a eu le truc, mais je pouvais plus parce que j'étais en chute libre. Ok, c'était pas mal. Bon, on a fait deux sprints, enfin deux niveaux de 20 secondes. On va un peu changer, on va faire des nouveaux normaux. On va faire auto level 2. Initial level, tout sur level. Don't move, or press B plus vers le haut. Comment ça? Ah, c'est pour faire des tourniquets, je crois. Lolo lui dit en plus ça français, donc c'est parti. Donc on va rien faire. Alors j'ai pas dit, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un niveau auto. Je pense que c'est un des genres de niveaux les plus compliqués à faire. Je pense. Hein. Ok. Ok, on est parti. On a fait 3 niveaux, mais après c'était niveau court, donc on va essayer de faire un niveau plus long là, parce que je pense que je vais faire 10 niveaux hein, de 20 secondes. Ok, Aira Demolition Hard, donc c'est parti, on va devoir s'échapper d'un château qui se fait démolir, donc c'est parti. C'est un espagnol qui l'a fait.
Donc, on est parti. Vite, ça va exploser à tout moment. Wow. Oups, sa mère. Ah ok, il faut... Putain, j'ai... En fait, j'essaie d'appuyer au moment où je sautais pour sauter plus haut, mais ça le faisait pas vu que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'étais un peu trop près du truc. Ok, cette fois-là c'est bon. Ok. Hop, le checkpoint. J'ai cru que c'était des trucs qui nous empêchaient de marcher. Ok. Non! J'ai pas sauté au bon moment. Ok. Hop, on prend les pièces qui servent à rien dans ce jeu. Ok, je suis mort. Hop là. Là, je pourrais aller sur la carapace et faire des sauts à l'infini. Hein. À un moment, ça va exploser les trucs. Là. Non, j'ai glissé. J'ai glissé de la plateforme. Et là, ça glisse, ça glace. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. What the fuck? Mais comment on monte là en haut là? J'ai rien compris. Mais... Ok les gars, c'est bon, j'y suis arrivé, j'ai dû regarder une vidéo sur YouTube parce que je savais pas qu'il fallait... Attends, il reste plus que quoi avec le P là, ça intéresse. Avance, avance. Ah, oh, c'est stylé. Je savais pas qu'il fallait mettre la carapace... Qu'on pouvait mettre la carapace vers le haut, donc c'est simple, hein, vous tenez la carapace et vous la... Ben, vous mettez le joystick vers le haut et ça la propulse vers le haut, donc je savais pas ça. On apprend tous les jours hein, grâce à ce jeu. Donc voilà, les amis, c'était Constantin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime à cette vidéo, à mettre un commentaire, que vous en avez pensé de ce niveau et à me soutenir gratuitement sur YouTube pour plus de jeux sur la chaîne, bien sûr.
Voilà, c'était Cantinox01. Bye!